Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia 2 Strongest Hero. Et on a eu une petite news il y a une dizaine d'heures, mais à ce moment-là je dormais. Et du coup, on va résumer un peu la future ou les futures mises à jour concernant Endeavor et ses événements. Tout d'abord, les personnes qui ne sont pas concernées, c'est ceux qui n'ont pas invoqué ou ceux qui n'ont pas demandé de remboursement. De ce que j'ai compris, on attaque ça de suite. Du coup, nous avons décidé d'agir. Nous avons décidé d'agir par rapport à vos avis qu'on a eu récemment. Tous les joueurs qui ont invoqué sur Endeavor pendant la période de l'événement verront toutes leurs tentatives remboursées en tickets de recrutement d'événements. Tout joueur qui a tenté ou tentera Endeavor, d'invoquer sur Endeavor, mais sans y parvenir, verra également ses tentatives remboursées en tickets de recrutement d'événements. Tous les retours de billets d'événements auront lieu après la fin de l'événement et les calculs se seront effectués et peuvent être utilisés à tout moment dans le futur, c'est-à-dire sur les nouveaux portails, que ce soit sur Shigaraki, Stain, Dabi et les autres futurs personnages. Endeavor subira un ajustement dans la prochaine mise à jour du jeu pour mieux ajuster les statistiques et les compétences de ce personnage dans la version globale. Veuillez comprendre que ces modifications ont été apportées afin de créer un niveau de jeu plus équitable dans de nombreux modes de jeu et sont nécessaires pour un équilibre réussi et le plaisir du jeu pour tous les joueurs. Cependant, nous pensons que vous serez satisfait des nouvelles améliorations que nous allons apporter à ce personnage. La bannière de vente des cartes de support Endeavor indiquait à tort que la carte avait une capacité de restauration de la santé. Nous avons maintenant apporté la correction à la bannière et tous les joueurs qui ont invoqué, qui ont réussi à le débloquer ou tenté de dévorer les cartes de soutien de ce personnage pendant la période de l'événement, verront toutes leurs tentatives remboursées en tickets RD d'événement après la fin de l'événement. Les joueurs, entre parenthèses, les joueurs gardent tout ce qu'ils auront tiré. Ça veut dire que même si vous avez invoqué et que vous avez drop, ben vous allez être remboursé. Il y aura une célébration d'un mois de lancement du jeu qui offrira également à tous les joueurs 10 billets de recrutement d'événements vers le 19 juin, du coup aujourd'hui. Ce plan a nécessité un examen attentif car nous voulons être sûrs que les joueurs pourront profiter du jeu pendant longtemps à l'avenir et que nous sommes en mesure de soutenir un programme de remboursement aussi important. Nous savons que nous avons déçu un certain nombre de joueurs d'entre vous et nous nous engageons à améliorer le jeu et les événements à l'avenir. Sincèrement, My Hero Academia 2 Strongest Hero, la 2 Strongest Hero, la team européenne, du staff européen plutôt. Maintenant, c'est un petit pas, on a gagné, mais ce n'est toujours pas assez. Le deuxième but, les amis, vous savez bien, c'est que ça serait bien de réduire l'appétit à 70 pour un taux de drop également réduit. Du coup, vous savez qu'on ne peut pas réduire le taux de drop tout en laissant l'appétit. Tout en laissant le taux de drop à 1,2. C'est illogique et c'est complètement débile. Le plus rentable, ça serait de réduire le taux à 0,9 ou à 1 pour une pitié de 70 ou de 80. Ça serait déjà plus correct dans l'ensemble. Et aussi, une régénération de la stamina. Je parle pas le fait qu'il nous donne de la stamina, mais le fait que la régénération soit plus correcte. Parce que là, on est sur du 5 à 10 minutes. Ouais, je crois que c'est ça, 5 minutes. Ouais, plus ou moins ça, on est à 5-10 minutes. Et c'est énorme. On est plutôt à 5 minutes. Et c'est énorme. Ce qui fait que par heure, on a 6 points de stamina. Non, j'ai une bêtise là. Là, j'ai dit une petite bêtise. J'ai dit une petite bêtise. Du coup, en fait, c'est bien ça. C'est une régène de 1 point de stamina toutes les heures.
Et dites-vous que là, juste pour 5 points de stamina, enfin pour 35 points, pour 35 points, il faut que j'attende 2 heures. Enfin, 25 points, ça sera 2 heures. C'est un peu beaucoup, c'est pas raisonnable de leur part, et ça serait bien de pouvoir remettre ça dans l'ordre. Au moins qu'on passe à 2 voire 3 minutes. Je demande pas qu'on fasse ça tout de suite, vous comprenez? Mais qu'on fasse ça au moins d'ici avant la fin du mois de juillet, ça serait largement faisable de la part des développeurs et du staff et de la direction de My Hero Academia, de Sangha Seron. Après, ça serait bien qu'ils règlent aussi les bugs. Comme vous savez, il y a énormément de bugs in-game. Par exemple, les lags, les prises en coop, les déconnexions, les pertes de compte et tout. Ça serait réellement bien qu'ils puissent régler tous ces problèmes d'ici au grand max un mois et demi, voire au grand max 2 mois, pourquoi pas. Et comme ça, à l'arrivée de la langue française, ou si la date n'a pas changé ou n'a pas été retardée, normalement elle est prévue pour ce mois-ci. Mais je préfère qu'elle soit retardée et qu'on reste encore sur de l'anglais. Comme ça, le mois prochain, il y a une petite amélioration concernant tous ces bugs-là. Et que par la suite, on puisse pouvoir pleinement profiter du jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit pas. C'est un petit pas. C'est une petite victoire. On ne peut pas tout avoir dès le début. On verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment ça se passer. S'il est nécessaire de refaire un mouvement comme ça pour les faire réagir, on le fera. Pour le moment, je pense que on peut dorénavant rajouter quelques notes. Mais bon, on va remettre à 3,5. 3,5 pour le moment, même si ce qu'on veut n'a pas encore été atteint. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous et à plus tard pour de nouvelles vidéos. J'en vous ferai une dans la soirée pour vous tenir au courant des informations, des dernières news concernant le jeu. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.